Madame et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur votre télé préférée Akassia TV, la chaîne de tous les goûts. Vous suivez votre émission 6e sens. 6e sens est une émission de développement personnel et de spiritualité pilonnée par votre serviteur Masque le Major. Masque le Major reçoit aujourd'hui Monsieur Ouattara Ahmed, qui est guérisseur voyant, qui est avec nous. Et Monsieur Ouattara Ahmed fait beaucoup de bonnes choses, donc nous avons décidé ce matin de l'inviter afin que les personnes qui souffrent, qui sont partout dans le monde, puissent prendre contact avec lui. Monsieur Ouattara Ahmed, bonjour. Bonjour. Et soyez les bienvenus sur le plateau de Akassia TV. Merci. Présentez-vous, parce qu'on dit quand la tête est là, le génie ne porte pas le chapeau. Moi, c'est Monsieur Ouattara Ahmed, guérisseur voyant. Je suis guéri et je soigne. Même à distance. Monsieur Ouattara Ahmed, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes un guérisseur? Je suis guérisseur depuis 1984. Et c'est ma grand-mère qui m'a donné ce don. Depuis tout petit. C'est ma grand-mère qui soigne dans votre région. Mais quand quelqu'un est malade, on veut le chercher. C'est ça. Je suis de loin, et je suis de loin. C'est ça. Quand on va sur la route, ma grand-mère me dit, mon petit-fils, regarde ces plantes. Souvent, pour le moment, ma grand-mère va voir dedans, il y a les plantes que j'arrache et je mange. Au lieu de nous vivre, c'est pas tous les feuilles qu'on mange. C'est ça. Il y a les feuilles même quand ils mangent. Mais ces feuilles, c'est vos grand-mères qui vous apprennent cela ou bien vous-même vous allez vous manger. C'est elle, ma grand-mère ne voit. Elle m'a appris un peu, au moins elle va se rendre compte. Ma grand-mère dit, non, toi, nous dis-donc. Va prendre toute la région. Mon petit-fils, merci. Cette feuille, je vais te montrer, mais déjà tu m'as dit. Tu connais déjà. Tu connais déjà. Tu l'as déjà dépensé. Je l'ai déjà dépensé. Parce qu'aujourd'hui, il y a les feuilles que tu manges, que tu n'as pas fait 15 minutes sur la terre. Tu vas mourir. Mais par garde de Dieu aussi, Dieu n'a pas fait ça. Toutes les feuilles que je touche, ça peut guérir. Pour guérir, pour sauver la vie. Pour sauver la vie des gens. D'accord. Monsieur Ouattara Ahmed, aujourd'hui, on va parler de la sorcellerie. C'est le thème de cette émission. La sorcellerie, pour vous, c'est quoi, Monsieur Ouattara Ahmed? La sorcellerie n'est pas bon. La sorcellerie, c'est pas bon du tout, mon frère. Parce que la famille qui a la sorcellerie, vous ne pouvez pas vous retrouver. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Parce que même si tu es parti, même en Europe, même sorcellerie, ça te suit là-bas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des frères qui sont à l'intérieur. Il y a la sorcellerie au pays, au village, qui n'est pas venu. Mais la sorcellerie, partout où tu es, le sorcier ou bien lui qui est sorcier te voit. C'est ça. Donc le sorcier voit partout, que le sorcier voit à Londres, à Washington. Partout dans le monde entier. D'accord. Mais donc les sorciers aussi lancent des sorts. Les sorciers lancent les sorts. La sorcellerie qui est là, et puis lui qui lance sort, ça fait deux. Ah d'accord. On va détailler un peu alors. Okay. La sorcellerie, je peux prendre ton âme. Sorcellerie. Même si tu es en Europe, je suis ici, et c'est des secrets que les sorciers ont. Peut s'envoler, aller même en Europe, pour aller te prendre. Parce que tu es dans leur famille, tu es bien, tu as voyagé, tu es en train de réaliser, ça lui fait mal. Il veut te tuer pour que toi et puis ta maman soient malheureux. Donc, en gros, les sorciers n'aiment pas voir les gens heureux. Les sorciers ne veulent pas voir les gens heureux. Surtout quand tu es heureux, même là, c'est ça les sorciers veulent. Quand tu es bien, quelqu'un même qui est comme on dit un fou bien qui devient dans la famille, le sorcier ne prend jamais. Toi tu es bien dans la famille, tant que tu ne te prépares pas, dès que les sorciers te tentent, ils vont te prendre. Donc quelqu'un qui est dans la famille, soit qui est bien, un ingénieur, quelqu'un qui travaille, qui est bien, c'est celui-là que les sorciers cherchent. Celui-là que les sorciers. Mais pourquoi? Parce que tu es bien. Tu es bien, tu t'es entretenu. Cela me dit quoi? Les sorciers disent quoi? Lui là. Son corps est bon. Le corps de celui qui travaille, quelqu'un qui est bien vu dans la société, son corps est bon. Mon frère. Mais par contre, quelqu'un qui ne travaille pas, mais quelqu'un qui est soit malade mental, etc. On ne le prend jamais. Parce que comme nous-mêmes les Africains, nous sommes ici. Souvent, on dit, on vient de Brousse. On vient de Brousse, il y a beaucoup de viande que les gens n'aiment pas. Surtout, il y a le biche royal. C'est très bon. Nous les Africains, on trie. Ouais. On dit, souvent même quand les gens vont au restaurant, on dit oui, moi j'ai pangolin. Le pangolin petit, très bien. Ouais. On peut dire, c'est que les sorciers sont négatifs. Et partout tu es, dans n'importe quel pays où tu es, les sorciers peuvent te trouver là-bas pour te faire du mal. C'est comme ça. C'est ça. Mais M. Ouattara Ahmed, vous en tant que guérisseur,
comment vous arrivez à traiter les personnes qui sont atteintes ou qui sont attaquées par les sorciers? Les gens qui sont atteints par la sorcellerie, moi, je les défends. Vous le disparaissez comment? Comment? En sorcellerie aussi. Mm-hmm. Donc vous avez le pouvoir, vous avez le pouvoir de vous transformer, de me transformer, à les aider, à les faire sortir de là. Parce que j'ai un ami comme ça, il est derrière vous là-bas, il n'y fait pas. Et son nom, un jour, il était dans la douche en Italie, son nom est quitté ici, il prend photo pour venir. Il a dit à son cousin, mon frère, viens au pays. Il a dit à son cousin, à son frère, alors, il a dit, ouais. Tu dis tu viens pas. Ça veut dire que là où il est là, déjà le déjà repéré, il s'appelait déjà. Je vais donner la parole, allez-y. Eh, il me souvient là, bien au téléphone, tu dis, toi si tu ne viens pas au pays, tel jour tu étais dans la bus, tel heure, tu t'es pris photo. Je vais laver cette photo et je vais te faire expédier comme tu vas voir. Ouais. Et dès que cela s'est passé, il a un ami là-bas. Tu as fait ça. Voilà ce que mon nom a dit. Le numéro de M. Ouattara, il faut essayer de contacter. Il va t'aider. Le jour où le monsieur m'a appelé, il pleurait. Il dit pour lui, il dit, dès que tu as eu mon numéro, il va te sauver. C'est ça. J'ai fait le travail avec trois feux ici en distance. Dès que j'ai fait le travail, il dit, mon frère, il dit, donc une semaine, tu vas voir ce qui va se passer. Dès que j'ai fait le travail, son oncle même, lui-même, à la place publique, il s'est dévoilé. Ouais. C'est dévoilé, il a chié sur lui, caca. Ouais, l'homme a défiqué sur lui. Que c'est lui, que c'est moi qui vais te tuer. C'est moi qui vais te tuer. C'est sorti dans sa propre bouche à la place publique. Il a chié sur lui. Il m'appelle, on fait comment? Il dit, il faut le laisser. Toi, ta vie, parce que peut-être, il ne sait pas durer, il te dit, mon frère, en tout cas, tu vas durer sur la terre. D'accord. Mais pour la sorcellerie, pour toi, c'est fini. Ouais. Ton âme est devenue dure. Ça veut dire que son âme est protégée, protéger. Les sorciers ne peuvent plus l'atteindre. Les sorciers ne peuvent plus l'atteindre. Il est protégé. D'accord. Sans problème. À distance, vous avez fait la protection. À distance. Donc, il ne s'est pas déplacé, il n'est pas déplacé. Il ne s'est pas déplacé. C'est à 8 mois après, il est venu le remercier. Ah, 8 mois après, il est venu en Côte d'Ivoire et on s'est vu. D'accord. Souvent aussi les sorciers ne font pas que tuer, ils gâtent le travail des gens, ils bloquent la vie des gens. Il y a des gens qui sont partis en Europe, jusqu'à présent n'ont pas encore eu des papiers. Il y a des personnes aussi là-bas, pour avoir un travail c'est difficile. Puis ces personnes-là, est-ce que vous avez la solution à leur problème aussi? La solution à tout. La solution à tout. Même si tu es parti quand on t'a bloqué, appelle M. Ouattara. M. Ouattara va te faire sortir de là. Un jour, il y a un monsieur qui dit, il a déposé tous ses papiers. Ça lui a donné un reçu pour venir prendre. Il allait mettre ce reçu à la maison. Le lendemain, le reçu a disparu dans sa maison. Et je les ai aidés, en garde de Dieu. Il a sa sorcellerie, ils ont pris. Et je les ai aidés, il a retrouvé. Parce qu'aujourd'hui, le blocage, souvent ça quitte dans la famille. Souvent aussi, il y a des hommes qui sont là, tu marches avec tes amis, ils ne sont pas contents. Tu prends ton nom même pour aller sur le guérisseur. Monsieur Elmarabou, pour te faire du mal. Parce que, au service que vous êtes là-bas, là, par exemple, tu es plus fort que lui. Donc, bon, que ça c'est la question de jalousie. Mais, monsieur, comment les sorciers arrivent, hein? Quel est le secret? Comment les sorciers arrivent à aller soit à Washington, ou bien soit peut-être qu'à Paris, pour attaquer quelqu'un qui est là-bas? Comment ils font? Les sorciers peuvent changer comme abeilles. Pour se transformer en abeille, en mouche. Abeille, en mouche, notre parti. Sans problème. Ouais. C'est quelques minutes même il est arrivé aux États-Unis. Ouais. C'est transforme en abeille, ou bien mouche, il est parti. Ouais. C'est comme ça, il se transforme pour faire du mal aux gens, pour aller bloquer les gens. Si on fait juste un peu de travail, tu ne peux pas, on ne peut pas te tuer, on bloque ta chance. Tout ce que tu vas faire,
ça ne peut pas réussir. Mais si on voit dans ces cas-là, comment vous arrivez à traiter ces personnes à distance? Ces personnes qui sont déjà soit en France, qui sont déjà soit en Russie, qui sont vraiment victimes de la sorcellerie, comment vous arrivez à les traiter et à anéantir tous ces pouvoirs maléfiques-là pour les permettre quand même de rentrer dans leur grâce? Dès que tu m'appelles, tu me donnes tout ton nom. Et je consulte. Quelques minutes, je consulte, je vois tout ce qui se passe derrière toi. Je te dis, s'il y a des trucs à faire à distance, je le fais pour toi pour que les mauvais gens te laissent, pour que ta chance soit ouverte. D'accord. Donc, monsieur, on travaille donc. Pour quelqu'un qui est là-bas, tu as oublié de dire, qui veut vraiment construire ici au pays. Parce que très souvent, il y a des personnes qui sont à l'étranger, qui veulent venir construire, mais ils ont peur. Et ils se disent que ah, dans mon village, même ici même en Côte d'Ivoire, dans mon village, il y a des sorciers. Donc s'ils m'avaient construit, est-ce qu'ils ne vont pas me tuer pour ces personnes-là? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour eux? Vous pouvez faire quelque chose pour eux. Il ne faut même pas avoir peur. Pour quelqu'un qui est à la voiture ou qui a eu un peu de monde, qui veut construire pour sa maman et pour son papa, ça c'est la bénédiction. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Aujourd'hui, il y a des gens même qui sont là-bas, qui ont travaillé pendant 20 ans. Mais pour avoir papa même chez eux, c'est pas grave. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. C'est vrai. Aujourd'hui, la sorcellerie fait que nous, les Africains, souvent, ne peuvent pas évoluer. Mais ce n'est pas de leur faute aussi qu'ils sont là-bas. Je suis là pour les aider. Tout quelqu'un qui est là-bas, qui veut construire, il n'a qu'à appeler M. Ouattara. La même chose, il y a des personnes aussi qui sont aujourd'hui en train de construire, qui ont commencé une construction quelque part, et puis arrivé un moment, on dit, ah, les sorciers m'ont attaqué, il n'y a plus d'argent, la maison se bloque. Oui, ça, j'ai découvert ça beaucoup, beaucoup, mais ce n'est pas ceux qui sont là-bas seulement. Mais il y a des grands cadres ici qui ont commencé à construire, que souvent même on prend un cabine pour aller enterrer. Et moi, je m'en vais déterrer ça. Ah, ils enterrent cabine. Ils enterrent vivant. Et moi, je m'en vais déterrer ça. Il y a un monsieur qui a construit pour lui comme ça. La maison a fait 17 ans. 17 ans, c'est pas comme s'il n'a pas les mois. Le jour, il s'en va au sortir. Dès qu'il arrive, il peut faire 2 mois, 3 mois, coucher à la maison, ne pas aller au travail. C'est quand tu peux travailler que tu peux avoir l'argent pour terminer ta maison. C'est ça. Voilà. Mais dès que tu as fait coucher, tu ne peux pas travailler. Tu vas avoir l'argent pour terminer ta maison. C'est vrai. Tout ça, j'ai anéanti tout pour que le monsieur aujourd'hui s'est rétabli. Aujourd'hui, il dort dans sa maison. Il a terminé sa maison. Il a terminé grâce sa maison grâce à le traitement qu'il avait fait. Il a construit sa maison. Tout est fini. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a un phénomène qui se passe, les enlèvements d'enfants, les crimes rituels. En tout, aujourd'hui, les gens jettent la pierre au marabout et au féticheur. Pour vous, monsieur Ouattara, est-ce que c'est possible est-ce qu'on peut utiliser le sang de l'homme pour se rendre riche? Est-ce que dans votre cas, vous utilisez, s'il y a des cas où soit pour vous, c'est les plantes seulement? Moi, c'est les plantes que j'utilise. Je ne prends jamais. Moi, j'ai mes enfants. Je ne vais pas prendre l'enfant de quelqu'un pour faire travail. Mais est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Chez moi, ça ne se fait pas. Chez moi, ça ne se fait pas. Moi, si j'utilise les plantes, si tu viens qu'il y a des sacrifices de moutons, cabri, poulet, je peux te dire, mais l'homme est tous du bois. Je ne prends pas ça pour faire le travail. Bien sûr, on entend souvent accuser les marabouts, les guérisseurs, c'est vous qui avez les gens aller chercher les enfants des gens pour faire travail pour que les gens soient riches. Chez moi, ce n'est pas ça. Il y a des secrets, mais ce n'est pas pour dire allègement d'enfants. Là, je suis contre. Ouais. M. Ouattara est contre tous ces crimes rituels et ces enlèvements qui se passent de partout. Et vous traitez les gens avec des plantes. Il y a des plantes. Et vous avez hérité ce pouvoir de vos ancêtres, c'est ça? De ma grand-mère. D'accord. M. Ouattara vient d'où? M. Ouattara vient de Pigou. Maintenant, les gens qui sont à l'étranger, par contre, comment vous pouvez arriver à les traiter, soit avec le nom? Est-ce que vous expédiez les produits? Comment ça se passe? Oui, j'expédie les produits. Dès qu'on tombe d'accord, ce que tu veux. Parce qu'il y a des savons, il y a des parfums, il y a des trucs aussi de faire avec le courant. Courant. Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. Quand je regarde ce qui peut aller vite avec toi, pendant des jours même, c'est ce que je fais. Parce que je regarde ce que je peux faire pour que ta vie soit heureuse, ce que je me suis fait rapidement pour les gens, pour qu'ils soient contents. Pour qu'eux aussi viennent me dire merci. C'est ça. C'est comme ça. Parce que le travail bien fait n'est jamais perdu. C'est vrai. Monsieur Ouattara, notre émission tient à sa fin. Et on va vous laisser dire votre dernier mot. Il y a des internautes qui nous suivent de partout. Quel est le dernier mot? Qu'est-ce que vous voulez dire à toutes ces personnes qui nous écoutent ou qui nous suivent de partout sur le net? Tout ce que je dis aux gens, il ne faut pas qu'ils vont se décourager. Monsieur Ouattara est là pour les solutions. N'importe quel problème, disons,
Donc, quand M. Ouattara m'aide, je vais les aider à résoudre ces problèmes. Problème de sorcellerie, problème de blocage, les papiers bloqués, il va voir nationalité. Tout ça, je suis là pour vous. Même pas, vous se décourager. Il veut construire, il veut créer entreprise. Je suis là pour les aider. Même si tu es paralysé en sorcellerie, tu peux te faire aider. D'accord. Merci, M. Ouattara m'aide. C'est sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les bouts. Je suis Mas le Major. Et l'émission est terminée et je vous remercie à bientôt. Le numéro de M. Ouattara m'aide va circuler tout à l'heure en bas le cran. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Merci, monsieur.